Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo une récurrence encore très simple, vraiment pour apprendre à les faire, parce que c'est loin d'être évident, vous le savez bien. Donc on est parti, c'est un cas où on va montrer un encadrement. On a déjà fait juste avant une étude similaire, donc on va refaire vraiment les mêmes choses. Et normalement au bout de 2-3 fois ça commence à rentrer. Donc quelle est l'idée ici? Ben, c'est une récurrence, hein. Donc la propriété elle est très claire, il faut montrer que Vn, le terme général, est toujours entre 1 et 4. Donc autrement dit, écrit avec un intervalle, Vn appartient à l'intervalle 1, 4. Voilà. Cette propriété, première chose, on veut la montrer pour n appartenant à grand N. Donc, si on veut voir l'initialisation, ça va commencer à n égale 0. Ça, c'est toujours important de bien situer l'initialisation. Donc on l'écrit, toujours la présentation, je pense qu'il faut être vraiment toujours la même initialisation. Et on va commencer donc ici. On va donc regarder ce qui se passe pour n égale 0. Alors V0, dans le texte, c'est 1. Or, 1, c'est bien entre 1 et 4. Et on sait que 1 est bien entre 1, c'est-à-dire entre lui-même et 4. On a du inférieur ou égal. Donc, eh bien la propriété est vraie pour n égale 0. Donc l'initialisation, c'est bon. On a démarré notre récurrence. Maintenant, la deuxième étape, c'est cette fameuse hérédité. C'est ça qui pose problème, le reste en général n'en pose pas. L'hérédité, c'est donc eh bien, cette capacité de transmettre une propriété au terme suivant. Alors donc on va supposer, c'est-à-dire si c'était vrai à un moment. Donc supposons que donc pour un certain. Alors là, je vais prendre une autre lettre que n pour éviter la confusion avec la propriété. Vous pouvez prendre la lettre que vous voulez. Ah, mais certains confondent. Après, ils se disent, mais c'est bizarre, je veux montrer quelque chose alors que je suppose. Enfin, c'est tout un. Donc ici, on va supposer que pour un certain nombre k appartenant à n, on suppose que eh bien, la propriété est vraie. Donc uk est entre 2 et 4. Voilà. Ce n'est peut-être jamais vrai. Le pas 2 et 4, c'est 1 et 4. D'accord? C'est une supposition. Je n'ai pas dit que c'était vrai. Je dis, voilà, si à un moment, j'avais uk entre 1 et 4. Est-ce que, et ça c'est mon but, est-ce qu'alors, hein, le but c'est de montrer que alors uk plus 1, le terme suivant, serait lui aussi entre 1 et 4. D'accord? J'insiste, on est dans une hypothèse. Hein. Jamais on ne dit que c'est vrai. On dit si jamais ça c'était vrai, est-ce que alors ce serait vrai au rang suivant? Donc on va travailler. Alors les encadrements, ça se travaille de façon très simple. Hein, sur un niveau bac, on va dire qu'on va pas avoir de grosses difficultés. Alors là, j'ai mis U, mais c'est pas U, c'est peut-être l'habitude. Ici, c'est la lettre V. D'accord. Donc V, V et V. Voilà. On va essayer à partir de VK de reconstituer VK plus 1. Alors qu'est-ce qu'on a? VK plus 1, si on regarde la relation de récurrence, c'est moins 1 tiers de VK plus 4. Donc pour fabriquer VK plus 1, il faut que je multiplie d'abord VK par moins 1 tiers. Donc je vais multiplier mon encadrement, d'accord, par moins 1 tiers. Quand on multiplie un encadrement par un nombre négatif, hein, qu'est-ce qui arrive? Mais vous savez bien, ça va inverser l'ordre. D'accord? Donc ici, alors moi j'aime bien croiser, c'est-à-dire qu'ici, si vous gardez les symboles inférieur ou égal, vous trouverez donc eh bien, l'image de 4 par multiplication à gauche et l'image de 1 à droite. Ce qui donne ici moins 4 tiers et moins 1 tiers. Et au milieu, on aura moins 1 tiers de VK. Alors je vais montrer la deuxième méthode que je vois souvent. Il y a ceux qui, au lieu de faire comme moi ici, qui croisent les images, eh bien, lors de la multiplication par moins 1 tiers, vont, et c'est tout à fait possible, changer le sens des symboles. Donc là, j'aurai moins 1 tiers, j'aurai moins 4 tiers. J'aurai VK et par contre on change le sens du symbole. Alors moi j'aime pas trop, mais ça c'est une affaire de goût. J'aime bien quand je manipule, tu vas avoir toujours inférieur ou égal, inférieur ou égal. Voilà. Ici, la deuxième étape, alors j'ai oublié de mettre moins un tiers. Voilà. On va ensuite rajouter plus 4. Donc, deuxième étape, on va faire plus 4. Ça ne pose aucun problème. Dans nos deux, ça ne change rien. On rajoute donc 4, l'ordre n'est pas changé. Donc je vais faire moins 4 tiers plus 4. Ici, j'aurai moins 1 tiers de VK plus 4. Hein, c'est un plus 4, un grand plus 4. Et moins 1 tiers plus 4. Ici, donc, j'aurai
4 moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 tiers plus 4, moins 1 tiers de VK plus 4, supérieur ou égal à moins 4 tiers. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 4 devant, ça ne change rien. On ajoute. Maintenant, même dénominateur, ça fait 12 moins 4, 8 tiers. Et donc, inférieur à quoi? Au milieu, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit VK plus 1 à droite. Moins 1 tiers plus 4, ce qui fait moins 1 tiers plus 12 tiers, donc 11 tiers. Dans l'autre sens, on aura ici 12 moins 1, 11 tiers. Plus grand que moins 1 tiers de VK. Ici, on va tout de suite mettre pareil. C'est VK plus 1 que vous avez réussi à reconstruire. Supérieur à 12 moins 4, donc 8 tiers. Voilà. On doit montrer, rappelez-vous, que VK plus 1 est entre 1 et 4. Donc, à chaque fois, on a ces encadrements ici. Ce qui est important ici, c'est ce 8 tiers et ce 11 tiers. 11 tiers, c'est plus petit ou égal à 4, d'accord? Parce que 4, c'est 12 tiers. Et 8 tiers, c'est plus grand. Ça, pas de problème, c'est plus grand que 1. Donc, on vient de montrer que, si VK est entre 1 et 4, alors VK plus 1 aussi est entre 1 et 4, d'accord? Et ça, c'est exactement le but qu'on cherchait à atteindre. Donc, la propriété n'est peut-être jamais vraie, mais vous venez de montrer qu'elle est héréditaire. La propriété est héréditaire, d'accord? Ça veut dire que sa véracité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraie tout le temps, va dépendre du début. Si le début est vrai, par transmission héréditaire, elle sera toujours vraie. Si le début est faux, par transmission, vous ne pourrez pas dire qu'elle est vraie partout. Donc ça, c'est très important. Alors, on n'a plus qu'à conclure. Pour ceux qui avaient fait la méthode d'inversion des symboles, vous servez au même. Ici, VK plus 1, vous direz que c'est donc supérieur à 8 tiers, qui lui-même est plus grand que 1, et c'est donc inférieur à 11 tiers, qui lui-même est plus petit que 4. Donc c'est la même chose. Dans tous les cas, vous aurez VK plus 1 entre 1 et 4. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la conclusion. Alors là, vous êtes habitué à force. Conclusion. Donc, on va rappeler deux choses importantes. La propriété, alors soit est initialisée ou est vraie. Moi, je crois que c'est plus à mettre est vraie. Donc, pour n égale 0. Virgule, elle est héréditaire. Donc, elle se transmet d'un rang au suivant. D'accord? Si elle est fausse, évidemment, ça ne se transmet pas forcément. Mais si elle est vraie, on est sûr qu'elle se transmet. Comme on est vrai au début, on est vrai au deuxième étape, à la troisième étape, donc à la quatrième, etc. On est sur le principe d'escalier. Ce principe, il est simple. Vous prenez quelqu'un qui sait monter une marche. Là, je prends deux personnes, une bleue et une orange. Les deux savent monter un escalier. D'accord ? Ça veut dire que les deux ont appris à passer d'une marche à la suivante, mais une seule pourra monter tout l'escalier. C'est celle qui est du bon côté du mur. C'est-à-dire que la personne bleue, ici, a beau savoir passer d'une marche à l'autre, si elle n'arrive jamais à se mettre sur l'escalier, elle ne va pas grimper bien haut. Donc ici, c'est ça ce principe d'hérédité qui n'est confirmé, qui devient vrai. La propriété n'est vraie que si, à un moment, elle est vraie, pour qu'après, la vérité se transmette par hérédité. Donc ici, c'est très important. Donc c'est pour n égale 0, héréditaire, donc elle est vraie, quel que soit n supérieur ou égal à 0. D'accord ? Vraiment très important de rappeler les deux. Initialisation n égale 0, hérédité, donc vrai pour tout n supérieur ou égal à 0. Alors pour conclure, je rajouterai un petit truc. On peut se demander ici d'où ça vient, cette histoire d'intervalle 1, 4 qui est conservé. Alors si on regarde la fonction f de x, moins 1 tiers de x plus 4, vous pouvez remarquer que l'image de Vn, c'est Vn plus 1. Donc je vais regarder la fonction. Alors je fais ça parce que la fonction f est très très simple. C'est une fonction affine décroissante, parce qu'on a un coefficient moins 1 tiers, et je vais regarder ce qui se passe sur l'intervalle 1, 4. On regarde rapidement, f de 1, ça vaut moins 1 tiers plus 4, ça fait donc 11 tiers. Donc là, je vais mettre 11 sur 3. F de 4, c'est donc moins 1 tiers fois 4, donc moins 4 tiers plus 4, ça fait 8 tiers. Donc vous avez votre fonction entre 1 et 4 qui passe de 11 tiers à 8 tiers. Donc qu'est-ce qu'on en déduit ? Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1, 4, on a f de x qui appartient à l'intervalle, donc si on remet dans l'ordre 8 tiers, 11 tiers, parce que la fonction est strictement décroissante, et donc
f de x appartient lui aussi à l'intervalle 1, 4. Parce que 8 tiers, 11 tiers est inclus dans l'intervalle 1, 4. D'accord? Donc on a finalement une fonction qui a cette qualité. Eh bien, tous les nombres qui sont entre 1 et 4 ont leur image qui sont elles aussi dans l'intervalle 1, 4. Et c'est ce qui se passe pour la suite. À chaque fois, comme v0 est dans 1, 4 et qu'on utilise la fonction, v1 sera dans 1, 4. Comme v1 est dans 1, 4, v2 sera dans 1, 4, etc. Donc c'est juste transmis. C'est une fonction qui a cette propriété sur un intervalle. L'image de l'intervalle 1, 4 en fait est dans l'intervalle 1, 4. Donc c'est plus simple qu'il n'y paraît. Après, si la fonction est très compliquée, finalement, on peut y faire une étude de fonction. Et par cette étude, on pourra arriver à faire la récurrence en utilisant justement cette remarque d'intervalle qui, dont l'image, si on veut vraiment écrire ça avec plus simplement possible, on a montré que l'image de 1, 4 est inclus dans l'intervalle 1, 4. Voilà pourquoi cette suite Vn est toujours entre 1 et 4. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.